Tortoise et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo comment créer un compte Twitch. Donc je vais vous montrer ça. Donc vous allez sur votre navigateur truc, voilà. Donc vous allez sur cette page de Twitch. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc vous faites inscription. Alors, donc identifiant. Je vais mettre ça. 12 118. En mot de passe, vous mettez ça. Voilà. Votre date de naissance, donc on va mettre décembre, jour 16, année. Voilà. Donc votre email. Ça a l'air un peu. Voilà, donc ici, compléter le truc. 2, 9, 2. Ok, donc faites inscription. C'est tout simple. Hop. Voilà. Donc là, pardon. Donc là, je suis connecté avec Azartos1268. Ça. Donc, maintenant, on va aller sur votre mail. Donc voilà, Gmail. C'est dans... mince. Plus, dans spam, je crois. Voilà. Vérifiez votre adresse mail, cliquez dessus et ça vous renvoie directement sur la page Twitch. Donc marquez courrier électronique vérifié, donc c'est bon. Donc vous pouvez tout simplement utiliser Twitch maintenant, c'est tout simple. Donc voilà, donc vous atterrissez sur cette page. Donc là vous avez profil, etc. Voilà, donc c'est tout simple après. Comme ça, non, ouais, c'est comme ça. Par exemple, on va reprendre. Hearthstone, voilà. Donc, je vais prendre suivre. Donc là, voilà, tu vois, ça va être pour suivre. Donc, vous allez cliquer tout simplement sur suivre. Voilà, suivre. Là, ça va être affiché. Oui. Et là, je fais un petit test. Hop, ça marche. Voilà. Donc, ça marche. Voilà. Donc, là, par exemple, si je fais retour. Là, vous avez bien. Vous suivez en ligne. Jour. Là, vous marquez déconnecté. C'est un bug, je sais pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Après vous avez voilà, bon, après vous vérifiez ça pour vous-même. Donc voilà, si vous voulez suivre directement le jeu, donc suivre, voilà, donc l'avez ici, tout simplement. Donc voilà, donc, je vais fermer ça. Donc voilà, après, hop, table bord. Voilà. Donc là, vous pouvez vérifier votre direct quand vous streamez. Si vous avez un écran, bien sûr. Sinon, vous pouvez vérifier avec l'application Twitch sur votre téléphone aussi. Donc voilà. Donc là, intituler cette diffusion. Vous pouvez l'appeler comment comme vous voulez, pardon. Donc voilà. Peut-être le dégager. Ne joue pas actuellement à machin ou joue à titre du jeu. Broadcast langage. Donc, je vais mettre français. Voilà. Et en fait, je mettrai à jour. Marque pas, hop. Aucun marque-page, donc c'est parce que vous n'avez pas, car vous n'avez pas encore streamé ou autre chose. Édition. Donc dans édition, voilà, donc vos éditeurs. Donc tout simplement, vous mettez, par exemple, je sais pas, je vais mettre Dortos. 8.
Voilà, et je fais ajouter. Error, login in. Voilà, car c'est parce que je suis pas connecté avec mon truc. Allez, retour. Ah non, allez. Allez, voilà, on court déjà. Donc activité. Aucune activité pour le moment. Statistiques. Donc là, vous pouvez voir toutes les statistiques dans total et le nombre de personnes de votre stream. Enfin, des vidéos. Clé de flux. Donc ça. C'est pour tout simplement quand vous voulez streamer, quand vous êtes utilisé XSplit ou OBS ou un autre, je sais pas. Parce que moi j'utilise XSplit, donc voilà. Donc quand vous créez le, quand vous êtes sur le site, enfin pas sur le site XSplit mais dans le logiciel, donc il vous demande une clé de flux. Donc c'est tout simple, vous allez sur votre Twitch et vous faites afficher la clé. Donc là c'est ça. Live, etc. Donc là, voilà. C'est tout ça. Et vous la copiez et vous la mettez dans le sur le logiciel. Donc là après vous pouvez la modifier, mais moi je la modifie pas, hein. Voilà. Donc voilà. Après. C'est tout, je crois. Gestionnaire de vidéo. Donc voilà, donc là, toutes les diffusions, donc il n'y en a pas parce que vu que je suis connecté avec Azarto 1278. Qu'on a créé tout à l'heure, donc j'ai pas encore streamé. Donc voilà, c'est tout simple. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Yo tout le monde, c'est Bartos et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, ça va bien. Donc aujourd'hui c'est tout pour une vidéo que je vous.